Les gens mangent ici de haut par catégorie. Les gens mangent ici de haut par catégorie. L'amitié dans la vie n'est pas obligée. Oh. Accroche ton sac là où tu peux décrocher. Parce que l'ami d'un fumeur de gay, c'est un fumeur de manga. L'ami de quelqu'un qui a construit, c'est quelqu'un qui a construit. Bonjour, bonsoir les fans. Je suis le général Franco. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le clash qui chauffe depuis quelques jours entre Malors et le petit Zizou. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Vous savez, quand vous travaillez trop là, mes projecteurs, mon rôle, mon devoir, hein, c'est de recenser toute l'actualité, condenser et vous faire passer cela comme information. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Zizou qui commence par provoquer Malors. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui sont trop... Hey, il n'y a plus personne qui est facile sur Facebook. Hein. Tout le monde est grand maintenant, désormais, sur Facebook. Dès que tu as quelques followers là, non, tu te sens... Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Zizou fait le post en disant, si à ton âge, il s'adresse à Malors, j'ai construit loin de la route. Donc, c'est-à-dire que Malors a construit ça mon village, gars. Si j'ai une voiture occasion volant transformée et un bar, vraiment... Je ne vais pas rejouer de ma réussite parce que j'aurais échoué. Hey! Gars, on appelle ça les vraies balles. Malors n'a pas digéré. Il revient à son tour et que mon petit, est-ce que tu es même sûr d'atteindre mon âge? Comme si les gars passent un concours pour avoir l'âge qu'ils ont là. Donc, est-ce que tu es sûr d'atteindre mon âge? Voilà une petite que tout le Cameroun agnasse qui t'a barré. Tu es d'abord maudit. Et avant de te mesurer à moi, je ne suis pas comme vous là, les jeunes, qui vous courez pour entrer dans les sectes pour acheter une petite Yaris étant en location. Gars, le Cameroun, non, je vous ai dit que le Cameroun c'est un beau pays. C'est le meilleur pays au monde, vous ne comprenez pas. Zizou ne disait pas, il revient présenter dans maintenant un immeuble en disant que bah, ça c'est l'immeuble que je vais construire en 7 ans. Qui pleut ou qui neige. En 7 ans, je veux qu'on cet immeuble. Ce qui est donc intéressant, les amis, et ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est cette partie où Malors recadre le petit Zizou. Et je voudrais que chaque jeune profite de ces conseils-là. Parce que ce sont des étapes que moi, j'ai déjà traversées. Et c'est pour cette raison, et c'est pour cette raison que je partage avec vous, les jeunes, qui me suivez, pour que vous essayez aussi de vous battre pour traverser ces étapes. Premièrement, Malors lui fait comprendre que pour être un homme, il ne suffit pas d'acheter la voiture et faire des voyages, des rêves, étant en location. Donc, un homme, c'est celui-là. Dès qu'il a un métier, comme par exemple ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, comme ce que Zizou fait, parce qu'en réalité, il lui fait comprendre que tu n'as pas vraiment de boulot. Si tu fais tes petits buzz que tu fais, ça te donne un peu d'argent. Cherche à créer un autre business. Ceux qui viennent ici s'agiter sur les réseaux sociaux, que tu bavardes pour avoir les vues. S'il vous plaît, je suis propriétaire de 2 entreprises. Et c'est ce que Malors demande aux jeunes de faire. Les studios Vision Pro avec des employés. Tout de même comme Malors a son boivement avec ses employés. C'est ça qui parle. Que quand tu fais tes vidéos sur les réseaux sociaux, ça te donne un peu d'argent, cherche à créer un autre business. Sauf que moi, j'étais photographe avant d'être influenceur. Tu comprends le petit Zizou, il faut comprendre cette leçon. Deuxième position, il dit, un homme, c'est celui-là qui se trouve une femme, qui épouse une femme et met à la maison. Quand tu te bats jusqu'à tu as un peu de moyens, achète d'abord un terrain. Tu construis même avant d'acheter la voiture pour porter ta petite famille, tes enfants. Voilà ce que Malors demande aux petits qui se jacassent là de faire. J'ai vu, j'ai fait un post hier, les gens viennent me parler. Oh, tu es en location, tu bavardes. On s'adresse comme ça à un bailleur. Je suis bailleur. Avant d'être influenceur, j'étais bailleur. Mon père n'a pas construit en ville. Donc vous comprenez que moi, j'ai conçu ma maison, même la maison des locataires, avant d'être influenceur.
J'ai décidé de ne plus parler trop de ma vie parce qu'à un moment donné, ça mettait les gens mal à l'aise et ça me créait trop de problèmes. Je vous ai dit ici là que quand quelqu'un vous dit qu'il peut avaler une noix de coco, c'est-à-dire qu'il connaît le diamètre de son anus, il sait que ça va ressortir. Quand vous voyez que les gens venir poster, parler de leur vie, exposer leur vie sur les réseaux sociaux, mon frère, chacun sait ce qu'il compte. J'ai essayé ça dès le départ. Mon frère, sans vous mentir, ça m'a dépassé. Quand ça te dépasse, dis que oui, ça m'a dépassé. Parce que quand tu t'exposes comme ça, les flèches que tu as, tu ne sais même pas d'où ces flèches-là sortent. Oui, les détracteurs. Il y a même certaines personnes qui ont même commencé par se désabonner de ma page parce que je parlais un peu trop de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le recul, que je ne parle plus, je n'expose plus rien de mes réalisations. Moi, je parle de ceci parce que vous tous, vous connaissez même déjà. C'est les trucs que j'exposais avant. Mais je ne vais plus, même si vous m'insultez comment, je ne vais plus jamais venir vous dire que voici telle chose que je suis en train de faire. Depuis que je suis influenceur, vous avez connu seulement la voiture que j'ai achetée. Et c'est ce que malheureusement je demande aux petits. Avant d'acheter ma voiture, j'étais propriétaire de mon domaine, avec les locataires même. Quelqu'un vient me dire que je jalouse ma lorse. je jalouse ma lorse, hein. Dis-moi un peu ce qu'il a réalisé, je n'ai pas réalisé. Je ne suis pas père de 1, 2, 3, 4 enfants. Plus de 4 enfants. Qu'est-ce que je vais envier à qui? J'ai réalisé ce qu'un homme doit réaliser. Même si je mets aujourd'hui, mais j'arrive devant Dieu. Dieu va me demander que, mon fils, tu as fait quoi de ta vie? La vie qui t'est donnée, tu as fait quoi de ça? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais dire que papa, mon père, voici la maison où les enfants restent. Voici mon épouse, voici les enfants. Voilà ma petite caisse que j'ai achetée, c'était pour les transporter. Dieu va encore me demander que je n'ai pas fait quoi. C'est ce que Malor demande au petit Zizou. Qu'avant de te mesurer à moi, cherche à avoir une femme. Parce que même on appelle ça quoi? Donc le charmant, voilà le mot. Le chat, donc, quand on dit charmant, c'est que tout le monde tue ça. Tu es, toi-même, tu n'as pas pu tuer. Elle t'a même barré. C'est que tu es maudit. C'est ce que Malor dit. De avant de parler. De venir jouer dans le couloir des grands. Rassure-toi d'abord que tu as l'échelle de ces grands-là. Par exemple, je pose ma photo et je dis que tu prouves. Ma lorse n'est pas de ta catégorie. Vous parlez de quelle catégorie, les gars? Vous parlez de quelle catégorie? Tout le monde a vu mon mariage. Lui, là, ça m'a fait la dot. Moi, il a tout fait. Vous avez vu l'image là. Ceux qui me suivent depuis ont vu le genre de mariage, l'honneur que j'ai donné à mon épouse. À l'époque de présenter encore mes premiers enfants, vous avez vu l'image de mes enfants, je ne parle pas pour parler. Donc, comme pour dire que dans cette vidéo, à l'époque quand je présentais ces choses-là, je me disais que c'était pour montrer l'exemple aux jeunes que voilà d'où je suis parti pour arriver à tel endroit, copier mon exemple. Non, les gens ont pris ça autrement. C'était retourné plutôt contre moi. Donc, si vous voyez les gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux-là, observez-les. Si vous voulez aussi, vous faites la même chose. Ou si vous savez sur quoi vous comptez, faites la même chose. Ça ne blague pas, les gars. Ne vous exposez pas. Laissez les grands comme les malheurs. Ce sont les grands. Ils s'exposent. Je ne vais plus jamais, comme il vous a dit là. Même si vous me provoquez, comme je ne vais plus jamais dire que. Sauf si c'est une entreprise qui est construite. Oui, je fais la plus de mon entreprise. Oui, si c'est l'entreprise, je vous présente. Mais dites que les biens privés, je vous présente ça là. Tegain. Vous avez compris, non, les amis? Donc, battez-vous à construire, à traverser toutes ces étapes là. Ceux qui viennent m'insulter en commentaire là, rassurez-vous que vous avez à traverser ces étapes. Parce que ce sont les étapes qu'un homme doit traverser, qu'on appelle homme. Être chez toi, être marié. Bon, tu peux ne pas avoir les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, être marié, avoir ta petite caisse et avoir un boulot stable. Les quatre là, quand tu as réalisé les quatre là, tu es un homme. Vous comprenez les jeunes? Et en passant, tous ces jeunes là qui veulent se former en photographie moderne, photographie ou infographie, ou alors les deux, retrouvez-nous au studio Vision Pro, Angos au Face Total, ou alors appelez le numéro qui s'affiche bas de cet écran. Ciao, si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Et si tu es ancien, connais le code, mon frère, partage seulement la vidéo, tu mets les likes. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour le nouveau, pour recevoir toujours des belles vidéos comme celle-ci. Bonne fête à tous les chrétiens.
Bienvenue au studio photo vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderoles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photo pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook? Contactez Vision Pro pour les shootings photo. Vision Pro est situé à Yaoundé, au quartier Mousso, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contact 672 30 37 85 697 39 27 28. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.